Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projet Zomboïde Multijoueur. On salue Katox qui passe tranquillement pépère derrière moi tel un revenant. Salut Katox. Je ne suis jamais mort. Et on est aussi bien sûr avec Slan et Damned. Salut Slan et Damned. Salut, on est en train de ranger les planches nous. Ouais, tu les ranges où d'ailleurs, je voulais te demander. Bah là où je suis. Ok, dans la caisse du bas, très bien, c'est bon. Je crois. Ah, on peut démonter le distributeur de papier, excellent. Mais par contre, je sais pas si on peut en faire quelque chose. Ça fait des ressources. Le distributeur de papier des toilettes. Quand t'es bon en menuiserie, ça fait des ressources. Mais de toute façon, on va tous être bons en menuiserie tôt ou tard. Peut-être. Bah, force. Bon, je me suis cassé le dos à prendre 15 planches sur moi d'un coup. Oui, moi aussi. Faut encore que j'aille boire maintenant. J'ai un ouvre-boîte, je l'ai posé plein. Dans le frigo. Là, dessus, maintenant. On va mettre dans celle du dessus. Voilà. Qu'est-ce que tu chantier ensanglanté, ça a l'air sympa ça. Alors, j'essaie de démonter le distributeur de papier. Et pas convaincu. Ouais. Tant que t'as pas de menuiserie, c'est plutôt une mauvaise idée, tu vas casser tous les trucs. Vaut mieux laisser les démontages à Katox. Et s'entraîner à faire des barricadages et tout ça. Alors boire. Ouais, enfin un distributeur de papier, ça va quoi. Ouais, ça va, c'est pas grave. Regarde, j'ai récupéré des pièces électroniques. Là, tu vois comme quoi, laver. Parfait, j'avais 20% de chance, hein. Je l'ai pas dit. Mais... Le casque de chantier. Casque de chantier trempé. Bah ouais, après ils sont trempés, c'est ça qui est chiant. Bon, c'est pas grave, je vais attendre. Il est mouillé maintenant déjà. Il n'y a qu'à pas l'équiper tout de suite. Ça, elle est mouillée. Allez, hop, déchiré pour faire les vêtements. Le gant en cadavre, Katox, dehors, t'as la hachette et tout. Oh merde, j'ai attiré des zombies en sortant. My bad, c'est ma faute. Bah, ça va taper à la porte. ça tape à la porte. Je suis en train de faire ma lessive là. Donc, plus tard. Bon bah. Demandez-moi, il y a main droite comme un grand. Attends, j'arrive. Allez, hop, j'arrive aussi. Désolé hein. Par contre, vous approchez pas trop près, j'ai le Covid. Hein. Ok, alors on va ouvrir l'autre porte ici. C'est mon nom, Steven Covid. C'était une blague. Ouais, bref. Ok. Aïe. Ah, ils sont beaucoup derrière. Hein. Ah bon? Pas que 3? Super, je me suis fait mordre. Merde. Bienvenue au club du coup. C'est rien, c'est un égratignement. Ah, ils vont casser la porte? Bah. Je me pose la question. J'ai l'impression que c'est ouverte, ouais. Ah non, c'est bon, on peut la refermer. Bon, bah voilà. J'espère que je vais pas mourir. Montre digitale rouge. Ah bah voilà. Allez hop, la montre classique, poubelle. Bracelet qui prend 0,1 de poids, mais 0,3 si on l'équipe. Oh, il y a une longue veste en cuir ici, si vous voulez vous protéger un peu, là. Ah ouais, moi je vois bien. Juste devant la grande porte verte que je viens de fermer. Alors... Je vois rien du tout. C'est là où... Ici, là. Non, ouais, l'autre porte, là, celle du haut, par contre, excuse-moi. Celle-là, ça a l'air bien, ça. Inspecter. Essence au gré d'atignure, 10 plus 10. Elle est bien dégueu par contre, hein. Quantité de sang, niveau de saleté, état elle est bien abîmée. Ah bah aussi. Oui, on peut pas tout avoir. Hein. Et en plus elle est abîmée. Ah, ça par contre. Alors, on va aller nettoyer tout ça. Là-dedans. Alors on a quoi comme bouffe? On a assez de bouffe ou on a pas assez de bouffe? Dans le frigo il y a ce qui reste. Ah super. Moi il me reste un petit peu de chips éventuellement, mais ça va pas aller loin quoi. Est-ce qu'on fait notre expédition en ville là? Bah ça va devenir important je pense hein. Puis je pense on va y aller prudemment. Les gens seront contents de nous voir crever en ville. Ouais, tout ce qui est munitions et autres c'est à côté de l'évier dans l'endroit où on stocke les trucs. Alors moi j'ai mis un cartable sur le dos mais ça me fait pas porter plus. Bah faut que tu mettes dans le cartable en fait. D'accord, mais si je mets dans le cartable il se passe quoi?
Bah si tu perds le cartable, tu perds ce qu'il y a tout, sinon faudra oui, tu mais vides et l'un ça et l'autre. Baisse le poids. Ça te baisse le poids général dans Oui. certaines dénominations. Normalement, Ah, ouais. excellent, ouais. Bon, allez, je vais poser mes Genre un clous. truc qui coûte qui enfin qui pèse 1 va peser 0,5 ou dans le genre. Alors, ici, on va mettre la boîte de clous. On est d'accord qu'on va chercher de la bouffe et une voiture. Et éventuellement des livres. Oui, aussi. Et il faut prendre le pied de biche. Et des bonnes armes. Y en a un, le pied de biche, normalement. Comment est-ce que je le sèche, mon truc? Et je suis excellent. Soit tu restes à l'intérieur suffisamment pour Pour que allez, ça le temps que ça sèche. sèche. Soit tu changes de vêtements et tu les déposes par terre et ils vont sécher. D'accord. De Tissu toute façon, vu qu'il déchiré, pleut, tournevis. dès qu'on sort, on va être mouillé, hein, donc. Ah, il pleut! Ah, il pleut là. Enfin, moi, en tout cas, chez moi, il pleut. Il y a peut-être une droite des synchros, mais chez Ah moi, il non, pleut. il pleut. Bon. Bah, du coup, je vais enfiler ma longue veste en cuir. Donc la longue veste en cuir, c'est pas imperméable. Ouais, de toute façon, a été mouillée. C'est pas considéré comme Damnat, imperméable. tu casses tout, mais t'as trouvé les outils? Je sais. Les outils sont à côté de l'évier dans le petit meuble en haut là. J'ai tout mis là-dedans moi. Ouais, remonte dans le petit meuble qui est là. Sur l'étagère de droite, tout à gauche. Il y a Ah tous les outils que j'ai ouais. trouvés. Belle, pied de biche. Allez hop, j'en prends un. Pourquoi j'en prends deux? Bon, j'en pose un par terre. J'ai posé les deux, c'est Sinon, pas plus vrai. sérieusement, Slan, vu que c'est toi normalement qui est censé tirer, tu veux que je te file les flingues? Bah, je peux les attirer normalement, il n'y a pas de souci. Et après, je reviens discrètement. Donc, c'est pas, j'ai pas besoin des flingues. J'ai peur du mot discrètement. Parce que je suis Bon. censé être pacifiste, alors bon, ça m'éclate de porter le double holster avec les deux flingues, mais. Ah, moi, je veux bien les Alors, flingues, ceci dit. Mais bien sûr que ce soit le plus utile, quoi. Ok. Moi, je suis prêt à partir. J'ai pas trop de poids. J'ai 5 sur moi. Je Clou, prends clou, l'essence. pièce électronique. Arrête de Ok. courir, À droite, je les peux pas échanger. bouquins. Le Ok. bidon d'essence, il est vide. On pourra siphonner une bagnole, hein. Ouais, bah Merde, c'est ce on que a je vais faire, il y a une accidenté. bagnole dehors. Même si elle Bon, alors On attends, avait, à la base, on les devait équipes. s'installer dans le. On a commencé à s'installer dans le petit cabanon, on avait posé plein de trucs là-bas. Enfin, plein. Ouais. Il est parti les Ouais. rechercher. Ah bon? Mais qui? Toi? Qui, ouais. T'as dit que t'avais ramené toute la bouffe? Non? Non, il Odaf? fallait Quoi? là. Qui? Quoi, Odaf? J'ai Ah. ramené, mais pas de mon escapade pseudo D'accord. mortel. Mon escapade post-mortem. T'as pas de balles? Voilà, t'as un. Non, y a les chargeurs sont pleins, mais. La couture volume 1, pourquoi j'ai ça sur moi? Voilà. Bon, j'ai des montres digitales à ne plus savoir qu'en faire, hein, ceux qui veulent. Allez, on y va. Attends, ce qu'il faut que. Je bois un coup, parce que j'aurais bien aimé manger aussi. Blessure légère, premier secours nécessaire. Pardon. C'est rien, ça, t'as pas besoin. T'occupe. Bah. Ça va guérir tout seul. T'es Ouais, sûr? tu t'as dû avoir. T'as dû porter un truc un peu trop Bah, lourd. ouais, c'est ça. C'est marrant, le premier secours nécessaire. C'est parce que la Là, j'imagine blessure que si légère t'as. est de base en fait. Ah oui. C'est ça, puis si jamais t'as du premier secours, tu dois pouvoir faire des trucs un peu plus utiles quoi. Et on est d'accord. Bah, moi, mais bon, pour le moment. On est d'accord qu'à bouper, il n'y a plus rien là. Moi j'ai Dans un reste de le. chips. Alors, moi, Je je regarde suis. dans le frigo. Parce que Il j'ai faudra vraiment. Là, je suis quand même des. affamé, donc avant de partir, ce Regarde dans le serait quand même frigo. bien. Ah, j'y vais. J'ai un reste de chips si jamais il n'y a rien de mangeable dans le frigo. Alors, moi, j'ai plus de bandage propre. Faut que je m'en Pâté refasse. pour chien! Oh, ça se tente! Pourquoi j'ai Parfait. plus de Écoute, brandage pop? t'as un masque buccal juste après, donc ce sera parfait. C'est vrai. Allez, on va ouvrir la pâté pour chien. Et puis on va la bouffer. Dépression plus 50? Bah, je vois pas pourquoi. T'en fous. Ikea, il va faire un tantrum mais péter un plomb. Allez, c'est parti. On va se tenter ça, on va voir la dépression monter. T'as On trouvera tellement bien des d'autres magazines à conserves. lire. Ouais, mais j'ai envie de Mais. bouffer la pâté pour chien, faudra bien. Mélancolique, vous avez besoin de contact humain. Ouais, Ah d'accord. non, allez, on se Ah casse. non, non, non. Moi je suis à J'aime bout de pas vous nerfs, je suis parler. terrifié, je suis en panique, j'ai une douleur.
Non mais attendez, j'ai traversé la crise du Covid et c'était déjà dur. Et maintenant, faut que je me traverse la crise des zombies. J'ai alors moi, je suis surchargé parce que j'ai un bidon d'essence plein. Bon, je suis là. File-le-moi alors. Ouais. Tu te le poses par terre hein, parce qu'il est lourd. Est-ce qu'on y va? Et franchement, le taxi, y a pas moyen de l'ouvrir? Je suis affolé, grosse déception, à bout de nerfs, légère soif. Légère soif, ça aurait été bien de boire avant de partir. Franchement, c'est con quoi, si on peut pas. Ouais, mais j'ai pas réussi à le trouver. Y a une valise dans le coffre, ok. Moi, ouais, j'ai un mécanique niveau 1, mais j'ai pas trouvé moyen de faire quoi que ce soit pour le déverrouiller. Ou... Merde. Ça, c'est con ça. Ouais, c'est possible que j'ai raté un truc, hein, mais. Bah, avant, on fouillait les cadavres autour, s'il y avait pas par hasard le propriétaire, mais là. Ah, j'ai trouvé une clé sur quelqu'un. Après, on peut toujours péter une vitre et puis. Comment ça marchait pour utiliser la clé? Ça se fait tout seul. Si t'as la bonne, ça s'ouvre, non? Ouais. Pardon, tu peux t'écarter un tout petit peu. Vas-y. Mais normalement, c'est clé de voiture, machin, truc. Ah hein. Oui, c'est vrai, c'est clé de voiture. Sinon, c'est les. Comment on fait pour ouvrir? Ah, c'est E. C'est dommage parce qu'elle est vraiment propre, quoi. Je suis vraiment en train de crever, moi, j'ai plus de vie. Bah, elle est à... ouais, en fait, par terre, en vrai, elle est à 60% de. Tu l'as laissé par terre, le bidon? Elle est où? Sous mes pieds. Par terre. Je le vois pas. Là, par terre. Non, je le vois pas. Je le prends et je te le donne. Ah, petit problème de synchro de Katox aussi. On attend de la réponse de Katox. Acceptes-tu de faire un marchandage? C'est rien qui apparaît. Ah, ok, Katox il est pas avec nous. Il a l'air merde. Avec nous. Ah, ça y est, il veut. Ça y est, super. Il est dans le multivers. Lui aussi. Non, je crois que je suis définitivement dans le multivers parce que je suis toujours en attente de réponse. Ah oui? Moi, ouais. Ça y est, je la vois l'offre. Ah ouais, mais moi je vois rien. mon personnage, il est au petit coin. T'as fermé, mais il est reparti. Ah ouais, je suis trop lourd. Attends, dépose-le dans un conteneur peut-être. Moi, non, mon personnage, je vais le faire. Il va aller se soulager aux toilettes. Enfiler au poignet gauche. En fait, pour ouvrir les coffres là, j'arrive pas. Moi, je suis bon là maintenant. Je suis un peu, je pourrais pas transporter grand chose, mais je suis bon. Ouais. Je faisais le tour de tous les cadavres qu'on a pété pour savoir si par là il y aurait pas le propriétaire de la bagnole. Ça, c'est rare hein, de l'avoir généralement. Ouais, je sais bien. Bah, il y a encore quelques zombies que j'ai attirés par pure mégarde. Super. Alors, moi, j'ai un flingue. Je vais pas pouvoir t'aider beaucoup. Ils sont à l'ouest du bâtiment. D'accord, je vais à droite. Bah moi pendant ce temps-là, je vais chercher la bouffe de rab qu'on a laissée à la Syrie. Tout à fait ça. Ça marche. Vas-y, je. Mon personnage finit son énorme dossier aux toilettes. Voilà. Petit. Bon, y'en a que 4 là. Allez. Plein de bijoux ici. Petit. Fais gaffe, Slade, parce que ça arrive. Hein. Pas des tonnes, hein, mais ça arrive un peu. T'es sûr de toi, là? Ah, c'est des balles à clics que t'as, ça va. Ouais. Des balles à clics, ça me va. Des balles à clics, super. Normalement, c'était chargé, les flingues. Qu'est-ce que t'as foutu? Alors, retire le chargeur. Attention que, ouais, il faut retirer le chargeur, remettre les munitions. Si t'as pris l'automatique, il faut le réarmer aussi. Alors, retire le chargeur. Insérer une balle dans le chargeur. Putain, c'est quoi ça? Ah ben c'est voilà, c'est super. Il avait une balle ton chargeur. Un bon chargeur quoi. J'avais prévu que t'allais faire des bêtises. J'ai une balle et pour sauver ma vie. Merde, c'est trop lourd. Pose une petite truc. Bon bah ça on va le poser. Bon, il y a que des conserves. J'avais laissé que des conserves. J'avais pris toute la bouffe fraîche donc. Mais on a un ouvre-boîte donc du coup. Il y a plus de pâté pour chien, c'est moi qui l'ai mangé. Youpi. Il y avait beaucoup d'autres choses hein, que tes pâtés pour chien. Oui, mais bon. Il voulait boire la pâté pour chien. Non. Bon, j'aurais beau tuer quelques zombies, il n'y a malheureusement pas le propriétaire du taxi. Hein. Tant pis. Ah, j'ai une clé. Mais ça doit pas ouais, être ça. Ouais, mais c'est clé. Bah non, c'est clé de voiture, effectivement, le signe m'a rappelé.
Ouais, faut que t'aies clé du la voiture, machin truc. Ouais, donc là, malheureusement, on l'a pas. C'est dommage, hein, parce que vraiment, il est propre. Hein. En haut, j'ai l'impression que vous avez barricadé de des deux côtés. Ouais, ça va. Extérieur, intérieur ou pas? Ouais, ouais. Ok, nickel. Quand est-ce qu'on y va? Bah, quand vous voulez. Moi, je suis au taxi. Rendez-vous au taxi, tiens. Ouais, un bon point de repère, ça. C'est quoi, là, par terre? Montre classique marron, c'est moi qui l'ai jeté. Je vais fouiller les poubelles. Un deuxième cartable pour qui veut. Oh, je suis trop lourd. Putain, même ça, je peux pas le porter, sérieux. Je peux même pas prendre. Ah, il y a de la crème glacée, t'avais pas vu ça, Slan? Mais il est où le congèle? Il y a un congèle là-dedans? Il y a un congèle, ouais. Ah, mais c'est un frigo, ça, d'accord. Alors, bah, il y a de la glace. Mangez tout. Salaud, c'est moi un peu de crème glacée. En plus, ça enlève la dépression. Il y en a plusieurs. Ouais, c'est vrai. Mange. Ah bah ouais, parce que ça enlève totalement la dépression, quoi. Bon, je vais boire un coup. Bon, c'est quelqu'un cherche le cartable, il est dans le coffre du taxi. Je ramène quelques boîtes et un ouvre-boîte. Bah, un ouvre-boîte, tiens. Ah, il nous faut vraiment une bagnole, bordel. Par contre, je suis essoufflé. Ça va, hein, il a quand même sprinté jusqu'à la Syrie, aller-retour, il est essoufflé, quoi. Je vais voir, Kato, je vais faire une petite inspection médicale sur toi, pendant que tu creuses. Trop chaud, moi. Je veux boire. Oh, tu vas bien. Oh, oui, je m'en sors plutôt bien. Est-ce que je peux me coucher là-dedans, parce que ça a l'air sympa? Si tu couches, j'embauche. Bah oui, je me doute. Allez, on ferme la porte, on y va. Quand vous voulez. C'est parti, pas de planesse. Ouais. Je dépose la bouffe que j'ai récupérée, je vous rattrape. Non. Pas sélectionner plusieurs trucs. Ah putain, ouais, on peut sélectionner plusieurs trucs. Parfait. C'est un mauvais plan, ça. Enfin, Katox n'attend pas, mais nous, on t'attend. Ouais, je mets tout dans le frigo pour l'instant, vu qu'il n'y a rien d'autre où poser. Hein, mais... Ça marche. Ouais, des frigos, s'il y a que ça, on en récupérera d'autres. À un moment. Bah, faudrait poser une caisse, mais j'avais pas ce qu'il fallait pour démonter une caisse. Demande à sa montre digitale. Ouais. Et j'ai sans pas d'alarme. En Fahrenheit, moi. Comment je la règle? Ah, ça. Dans les... ça. Alors, ça, faut aller dans les options du jeu. Hein. Faut que tu fasses échappe. Il y a moyen de le faire. Et ça, c'est tout bon, en ça. Bas, ouais. Échappe, affichage. Et vous descendez affichage de la température en dessous du format de l'horloge qui est en Fahrenheit. Ah oui, format de l'horloge, affilé. Ah, c'est cool. Moi, je me disais, je faisais la conversion comme ça à l'arrache. Mais... Ah bah oui. Ah ouais. Ah bah oui. Moi aussi. 73, ça fait 17,8. Bon. Est-ce que tu nous as rejoint, Lucing? Je ferme la porte. Ça marche. Après, je sais pas où vous êtes exactement. Tout à droite. À droite, ouais, de l'est. À droite du bâtiment. Hop, viens par là. L'est. Droite. Regarde sur ta droite. Non, ça, c'est pas la droite. Ça, c'est. Alors, les directions minimales. Quand on dit, c'est par rapport à la map. Non, mais j'adore parce que je me mets à descendre et il me dit non, c'est pas par là. Bravo. Oui, bah oui, mais. Oui, parce que c'était. Voilà. c'est la direction où t'allais au début qui était pas bonne. Est-ce que t'as un soutien-gorge par-dessus ta veste, Aslan? Non. On s'enfonce dans la forêt, carrément. Tout à fait. Tant qu'on en repart de l'autre côté, qu'on est tous les quatre, ça ira. Parce qu'en fait, juste de l'autre côté, on va tomber direct sur les endroits qui nous intéressent. Ça a l'air. À partir de là, vous avez le droit d'être discret. En sortant de la forêt? Avant d'être sortir de la forêt. Ok. Voilà. C'est bon. Donc à la première petite route, là, on... Pour le moment, on est trois. On en a perdu un. Lossing. L'autre droite. Hey, c'est bon, tout va bien. Suivez le chemin par là. Regarde-moi comment il court comme une petite gazelle là. C'est vrai qu'on la référence Tintin, ça me fait rire. Ton personnage ressemble au Dr Muller dans Tintin. Complètement. Effectivement. Tu as perdu Slan, il va trop vite. Donc là, il va falloir qu'on traverse à nouveau la forêt. Par contre, de l'autre côté de la forêt, il y aura sûrement des zombies. Je vais voir en premier. J'en profite pour marcher un peu lentement et éventuellement récupérer. Ouais, zombies. Hein. Remonter un petit peu vers le haut. Zombies aussi. Ah ouais, putain, ouais.
Beaucoup de zombies. Voilà, attention derrière toi. Derrière toi, Damned. Remonte. Je remonte dans la forêt, ouais. Faites gaffe, hein. Parce qu'il y a beaucoup de zombies. Hein. Ouais, sur la grande route, c'est toujours full. Ouais. Ah, j'en ai vu passer un. Remontez. On va remonter jusqu'à l'endroit où le chemin rejoint la route. Okay. Moi, je suis la ligne à haute tension. Voilà, ça, c'est pas mal. Vous pouvez vous baser là-dessus. Ok, là, on est un petit peu plus. Il y en avait un planqué dans la forêt derrière moi. Est-ce qu'ils vous rejoignent ou pas trop? On suit la ligne à haute tension. Parce que moi j'ai pas d'arme en fait, hein, du coup. Oui, oui, j'ai bien vu que tu faisais semblant de. Je peux peut-être prendre le pied de biche. Merde, pourquoi il s'arrête de. Mais non, mais. Qu'est-ce. Non, Damned! Mais pourquoi ouais, mais j'ai mis ce clic. Mais oh non! Il les a tous appelés juste devant la warehouse. Non, attends, bouge non, pas. Non. Laisse. Je vais les attirer. Bon, ils sont combien? Ils sont une douzaine. Je rentre dans la forêt. Hein. Allez-y, rentre Allez-y. Dans la forêt. Je remonte plein ouest jusqu'à la deuxième petite route là. Je serai au tournant. Hein. Parce qu'on est arrivé là. Hein. La warehouse elle est juste là. Hein. Donc il va falloir nettoyer hein, si on veut rentrer dedans. Là je suis. J'espère qu'ils m'ont suivi. Ils ont l'air. Vous pouvez venir m'aider maintenant si vous voulez. J'ai fait un pack. Mais t'es où? Sur la grande route ou pas? Sur la grande route. T'es retourné sur la grande route? T'es resté sur la grande route? Mon personnage est essoufflé, il veut plus courir. L'enfer. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, je les entraîne au loin. Allez hop, je les entraîne. Ouais, moi faut que je m'assoie là, je peux plus bouger. Pas de soucis. Tu mets toujours la ligne haute tension? Bah je suis la grande route moi. D'accord. Bah qui suit la ligne donc Je suis dépressif, abattu par le deuil et le désespoir. Allez hop maintenant, on arrête d'être discret. Je rentre dans la forêt. Et je vais revenir plus tard. C'est bon. Je redescends. La warehouse, c'est celui qui est en forme de L un peu là. C'est le. Là, c'est un bâtiment à deux étages. En brique. Ah, je pensais sur la carte, ouais, excuse-moi. Ah oui, je la vois. Ben, bah, y a Katox qui me fait des croches pattes des... quoi. Sérieux? Ben non. Mon mec, il a trébuché tout seul et du coup, je saigne quoi. Non mais c'est pas vrai. C'est quoi cette équipe? Oh, putain quoi, c'est pas possible. Ok, j'y suis. Vous y êtes hein, à la warehouse? C'est on safe, essaye hein, d'entrer maintenant. Avec Katox. Je la porte. J'ai un pied de biche. On hein. a réussi à rentrer avec Katox. Ça marche. Allez, on est à l'intérieur. Des dedans. Il y a des zombies dedans, hein. Je vous préviens, je peux pas taper fort. Hein. Ah, je sais pas trop, vous êtes. Ça ressemble à quoi sur le plan? C'est un pur carré. Un pur carré entre un carré la grande route. Et y a pas un truc jaune juste au-dessus? Non, je t'en souviens, c'est... Non. Que je peux pas, ouais, pas juste au-dessus, un peu plus loin. Putain, mais ils viennent d'où tous ces zombies là? Où vous êtes? Non, mais y avait une soirée, un bal costumé à l'intérieur ici ou quoi? Ah! Je l'avais pas vu elle! Reste par terre toi, t'es pas morte encore, sérieux? Bon, je fais le tour. Oh la vache! Je vous laisse commencer à fouiller. Ah oui, le truc jaune c'est un saloon. Putain, y'a du monde devant le saloon. Hein. Damned, il va nous ramener tout le monde! Bah non, justement, je veux pas! Je vois pas de truc jaune. Ah si, y'a des trucs jaunes, mais c'est... si c'est des trucs jaunes. Sur la minimap, un truc jaune. Hein. Ouais, sur la minimap, t'as un truc jaune avec une route et un autre truc jaune encore au-dessus? Alors non, moi c'est un truc jaune dans un rectangle et en bas il y a un truc noir. C'est un truc noir en bas, tout en bas un carré noir et en haut un rectangle jaune, donc c'est pas là alors. C'est pas ça non, effectivement. Non, c'était juste, juste oui, en sortant de la forêt. Ah oui, d'accord, c'est peut-être plus bas, je vois du jaune aussi. Les alentours sont sécurisés. Bah en fait, complètement au sud de la warehouse, mais très loin au sud, enfin bon moment au sud, il y a deux carrés jaunes, donc je pensais que tu parlais peut-être de ça, mais... Parce que la warehouse c'est un carré noir et juste au sud de la warehouse il y a un bâtiment en L inversé. Ah oui. Ah des cigarettes, je suis sûr que ça va plaire à certains ça. Déjà à moi, je suis en dépression. Faut en fumer une. Je vous rejoindrai quand je peux. Stress moins 5. Ah ouais c'est léger. Ouais bah. Bon ça te prie. Un calepin vide, parfait.
Une souris morte fraîche. Au moins elle est fraîche. C'est ça. Oh oh, il y a du monde. Ok, là il y a rien d'autre par ici. Si je monte, il y a rien en haut. Comment on fait pour changer de place? Voilà. Il n'y a pas les clés de la bagnole. Ok, il n'y a rien sur le toit de la warehouse. Bon, je suis entré dans une maison, hein, du coup, pour le moment. Bah oui. Bon, alors la bagnole qui est autour de la warehouse, il n'y a pas de, il n'y a pas les clés. Hein. Je fais le tour des zombies qui étaient là. Ah, je crois qu'il y avait un truc. Peut-être que si j'améliore ma compétence de mécanique, je pourrais les ouvrir. Les bagnoles, il y avait un truc comme ça, non? Fallait démonter des morceaux et ah puis... Ah bah moi, y a pas de problème, j'ai réussi à ouvrir la bagnole, hein. La porte était ouverte. Ah, d'accord. Je vais aller boire, normalement il y a un truc pour boire ici. Voilà. Une VHS. Il y a des plaques en métal qui traînent, comme attends. Comme d'habitude, il est en train de regarder la télé. Non, j'ai trouvé une VHS, j'ai pas dit que je l'avais regardée. C'est Satin et Soie. Ça a l'air intéressant. Oh, hein. prends-la. Bah oui, c'est fait. Mais... Ah, clé en croix, clé anglaise. Ouais. Oui, je crois qu'on les avait, ça. Baguette de soudage, chalumeau. Dommage. Ah, pas de clé de voiture. Si, il y a quand même un bandage. Il y avait pas de clé dans la boîte à gants, cela, non? Non, il y avait pas de clé dans la boîte à gants. Bon. J'ai une bêche. Je ramasse les clés sur les cadavres au cas où. Mais... Plaque de métal. Râteau tournevis, clé anglaise, peinture. Sac de gravier, quelque chose me dit que ça va être un peu lourd. Alors le problème c'est qu'on a des outils ici, mais c'est pas... Bah c'est pas ce qu'il nous faut quoi. Ah, il y a un vaporisateur. Ça c'était vachement pratique. Je sais plus j'ai pourquoi, récupéré moi, un déplantoir, une pelle, un râteau, des seaux, moi, pas de graines. Je récupère du scotch, le scotch c'est forcément utile. Ouais, ça oui, ça je récupère dès que j'ai le scotch et pas la boîte. Je récupère des paquets de graines. Un four antique, excellent. Alors ça pèse 40 hein, par contre. Hein. Ça sera pas pour tout de suite. Hein. Non mais il y a un four antique ici par contre. Hein. C'est bon, c'est très très rare. Normalement faut aller le chercher dans des baraques spécifiques. Ouais, il est antique quoi. Non mais tu rigoles, mais c'est vachement bien. Non mais je sais, je m'en souviens. Dans la première saison, enfin dans la première... C'est ce qu'il faisait là. Alors il faut électricité au niveau 1 et mécanique niveau 2 pour démarrer avec les fils. Ah c'est pas tout de suite. Hein. Bah tu peux aller t'entraîner à démonter la bagnole qui est à l'extérieur si tu veux. Ouais bah justement j'étais en train de regarder mais je trouve plus comment on fait pour regarder dans la boîte à gants par contre. Tu cliques droit et tu fais mécanique. Un râteau à main, clé anglaise. Je pensais regarder dans la boîte à gants pas... Je vais prendre la boîte à clous. Retirer, il me faut un cric, une clé plate, ok. Un tournevis. Il y a clé plate, tournevis, t'as tout ce qu'il faut là ici. Hein. T'as même des chalumeaux, masque de soudure. Il me faut au moins un tournevis parce que les roues, il faut un cric, donc on va peut-être pas non plus y aller sur un truc comme ça. Et elle était où ton tournevis? Tiens là, un tournevis. Pas. Si tu peux aller sur les roues aussi si t'as envie de t'entraîner. Hein. Faut que tu la désosses complètement. Hein. Ouais, mais c'est un petit peu exposé si tu veux là. Ah bah je viens de sécuriser si tu veux. Parce que j'avais nettoyé autour. En plus, mon bonhomme est toujours mordu. Hein, donc... Eh, on a du plâtre. Hein, et on a une... On a du plâtre ici. On a tout ce qu'il faut pour faire des murs si on a envie. Pelle à neige, en cas de besoin. Ferraille. J'ai bien de la mécanique. Hein, un béton. Petit peu. Ouais, un peu de mécanique. Échec. Raté. C'est très bien. Ah mais je peux réessayer, très bien. Ah, je suis plein, j'ai pris colle à bois, duct tape, des plantoirs. Le problème c'est que tout ça on n'a pas vraiment besoin, ce qu'il nous faut c'est de la bouffe et une voiture. Moi, je propose qu'on continue. Dame Ned, on peut te rejoindre? Alors vous pouvez, je suis dans une petite maison, bon là je suis quasiment fini hein, mais je suis quand même dans une petite maison. Comment vous dire? Bah, je pense au nord de là où vous êtes. À droite de la roue principale, et c'est vraiment la maison qui est au sud d'un lac. Mais alors, le lac, je sais pas si vous allez le voir tout de suite. Hein. Et je suis à non droite mais t'es d'un hyper loin. Bah, je sais pas. T'es dans les bois là.
Pas vraiment. Quartier résidentiel, quand même. Mais pourquoi t'es parti aussi loin? Reviens, bah, reviens sur la grande route. Bah, je vais revenir, mais c'est qu'il y a du monde de... qui m'attend. C'est pas grave. Ah, non, me mords pas! Non, me mords pas! Ah! Ah, ah, non! Bon, bah voilà, il va revenir plus tard. Ah, c'est mort. J'étais mordu 3 fois là. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, on va arrêter là cet épisode du coup. J'espère qu'il vous aura plu quand même. N'hésitez pas à laisser un petit message et nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah, on se dit à très vite pour la suite. Et encore une fois, personne n'est mort. Au revoir tout le monde. Il est pas encore mort.